Depuis les années 90, le commissariat d'arrondissement de Grand Village au quartier Château de Port-Gentil a été le théâtre d'événements qui ont marqué l'histoire du Gabon. Même scénario après les élections de 2009. Parce que c'est là en 90 où vraiment tous les partis politiques se retrouvent au château. Ben, les gens ont vu le bâtiment. Et quand le président, le défunt président Omar Bongo, est arrivé ici au carrefour du château d'eau pour pouvoir raconter le chef au papé. Le juge, pour moi, M. Papé, c'était un juge coutumier. Et c'est là où il y a eu les émeutes. Ça a chauffé là, hein, je ne vous dis pas. Hein, ce n'était pas la joie. Hein. Nous qui habitons ce quartier, vous avez les lacrymogènes même jusque dans les maisons. Hein. En 2009, quand il y a eu l'implantation de la police et tout ça, c'est là où tous les gens sont. Ce n'est pas seulement les gens du château. Hein. Les gens sont venus de tous les quartiers de Port-Gentil pour chasser les policiers ici. Il y a eu la casse, comme vous le savez. Hein. Ce n'était pas la joie. Hein. Depuis ce récit, qui remonte à 15 ans en arrière, les locaux abritant ce commissariat d'arrondissement sont restés à l'abandon. Identifié par le CTRI comme un des chantiers prioritaires de la ville de Port-Gentil, la construction d'un nouveau commissariat a été lancée ici il y a 5 mois. À ce niveau, nous sommes en train de faire des finitions pour les grosses œuvres. Et l'aspect charpente est déjà abordé. La charpente est déjà en train d'être réalisée. L'électricité, le câblage électrique est déjà réalisé. Au niveau de la plomberie, toute la tuyauterie est installée, même les arrivées en eau sont déjà fixées. Nous n'attendons plus que la livraison du gros œuvre pour conclure avec le carrelage et les baies vitrées. Environ 70% de réalisation. Disons d'ici 3 mois, nous serons dans les délais. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, donc c'est une bonne chose. L'arrivée de ce commissariat ne fera qu'arranger les choses. Hein. Prévu durer 8 mois, ce chantier devrait être livré en novembre prochain.